Trop belle. Qu'est-ce que tu as encore? Je sais, il me parle mal. Il menace de me quitter si je ne lui faisais pas un enfant. Attends, ce n'est pas comme si c'est toi qui décidais si tu tombes enceinte ou pas. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs fois. Et il me donnait toujours l'impression de me comprendre. Son comportement de tout à l'heure me fait comprendre pourquoi il est devenu très distant avec moi. Il ne répond pas à mes appels ni mes messages. Écoute, arrête de pleurer et réfléchis. Y a-t-il un endroit là où on vend les enfants, Rosine? Je ne veux pas le perdre. Il compte beaucoup pour moi. Ne pleure pas. Ça va aller, ok? Ah oui, salut Dikongé. Je suis à notre nouvelle cave, tu peux me retrouver. La cave, le siège. Ok, je t'attends. Personne d'elle ne veut me faire un enfant. Personne d'elle ne veut me faire un enfant, merde. Elles sont toutes ici que tu es. Je t'ai cherché partout. Je veux rester seule pour m'y réfléchir. Ça sent les soucis. Raconte. Rosé, tu penses qu'une relation n'a de sens que lorsqu'il y a un enfant? Mais qu'est-ce que vous avez tout avec cette histoire d'enfant? Tu vois que tu peux pas m'aider, non? Ça dépend de la vision des partenaires et de leurs objectifs surtout. Roger veut que je lui fasse un bébé. Attends. Tu viens de dire Roger. Le même Roger que je connais là. Le fiancé de Michel. Oui. On est ensemble depuis quelques jours maintenant. Et aujourd'hui me balance sur le visage qu'il veut que je lui fasse un bébé. Sheila, la situation est même plus pire que ce que j'imaginais. Toi avec Roger, je n'imagine même pas ce que Michel ferait quand elle va l'apprendre. Tu vois comment tu es. Je te parle d'un problème, toi tu parles d'autre chose. Non Sheila, ton problème est même plus pire que ce que toi-même tu imagines. Non mais, Roger...
Parce qu'un demi-caselle vient en plein 14 avec cette chaleur, ça veut dire que les affaires marchent. Elles sont toutes pareilles. Qui t'a provoqué? Personne d'elle ne veut faire un enfant avec moi. Même pas Michel. Et quand j'ai posé la question à la nouvelle, elle n'a même pas su quoi me dire. Bien, Roger, j'avoue que tu me perds là. Écoute, le top, c'est que... Tu te rappelles Michel, ma fiancée? M'a dit que le docteur nous a demandé d'être patient, que l'enfant viendra. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je sais qu'elle a des connivences avec ce médecin. Elle essaie de se jouer de moi. Oui, elle essaie de se jouer de moi. Elle veut que je paye sa formation, que je lui ouvre son salon. Et après, elle va s'attacher à un mec à qui elle va faire des enfants. Quant à la nouvelle, je ne la plains pas. Parce que je sais qu'elle peut s'attacher à mes biens et à ma fortune. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu n'es même pas en état de réfléchir normalement. Mais que tu allais dire ça. Mais rassure-toi, je suis encore lucide. Ah, laisse-moi boire. Ok. Écoute. Je calme-toi. Il faut qu'on parte. Quand tu ne seras plus sur les fêtes de l'alcool, on va mieux causer. C'est comme tu veux. Allons-y. Et toi, je ne t'ai pas sonné là-bas. Hein. Enlève ta bouche sur mes choses. Ça te cueille quand il passe en temps quand même. Arrêtez vos querelles de couépousses là. C'est quoi même? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes des couépousses? C'est elle non? C'est elle qui a commencé. Vous êtes des couépousses? Mais ça suffit là. C'est moi qui commande ici. Toi, tu apprends aussi à respecter ton nez. Quand ça bouge, comme si elle va aller cogner ça sur le mur. Méfiez-vous, hein, d'autres choper. Je vous dis ça. Voilà. Vous allez attendre. Il faut qu'on parle. Je suis allé un peu trop loin en journée. Écoute, on va pas le faire devant la porte. Bonsoir les enfants. Bonsoir tonton, sois le bienvenu. Bonsoir mon chéri, viens t'installer. Michel, j'ai été vraiment trop dur avec toi en journée et je te demande sincèrement pardon pour ça. Chéri, écoute, tu n'as pas à me demander des excuses. Tu vois, cette situation m'embarrasse autant que toi. Moi-même, je serais la femme la plus heureuse en tenant ton enfant dans mes bras. Chérie, les docteurs ont raison. Nous devons être patients. L'enfant, c'est une décision de Dieu.
On l'aura notre enfant, mon amour. Je vois, tu m'as l'air vraiment fatiguée, chérie. Je m'en vais te préparer une douche. Oh, merci, ça me fera du bien de prendre une douche vraiment chaude, chérie. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Bon appétit. Merci. Bébé à table. Alors la fille, je vous présente mon ami Ndema. Vous savez, depuis le décès de votre papa, j'ai trop souffert. Je ressentais un poids qui pesait sur moi. Alors depuis que mon chéri Ndema est entré dans ma vie, j'ai ressenti ce poids-là s'amoindrir. Ndema, voici les filles dont je t'ai parlé longtemps. Leur soeur est chez leur oncle à Bonapreso pour le moment. Les filles, enchantées de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Je suis aussi ravie de vous connaître. Ah, merci. Mais, maman, quand tu dis ton ami, je ne comprends pas. Tu peux être un peu plus explicite, s'il te plaît. Tu ne comprends pas quoi? Arrête d'être villageoise. Elle parle de son petit ami Justine. Ya! Yeah. C'est comme ça que vous appelez ça? Oui, maman. Non, mais maman, tu me déçois. Je suis pas ta soeur! Pas ici! Chérie, peut-être qu'elle ne supporte pas ma présence. Il faut que je parte. Non, tu ne pars pas. Les enfants ne doivent pas me dire comment je vais vivre ma vie. Chérie. Je dis personne ne bouge. Elle va me sortir. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Oh, maman. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Lève-toi, tu peux présenter les excuses à mon ami. Ne compte pas sur moi, maman. Dis-moi un peu. Tu le connais? Pardon? Je ne veux pas d'un nouveau père dans nos vies. Ah bon? C'est ça? Ce n'est pas vous qui allez me dicter comment vivre ma vie. Lève-toi sur ce lit et va lui présenter tes excuses. Je préfère quitter la maison que de le faire, maman. Pardon? C'est ce qu'on va voir. Tu dis... Attends, tu dis quoi? Quand tu préfères quitter la maison, tu es déjà grande, n'est-ce pas? Tu es déjà grande. C'est ce qu'on va voir. Ou c'est moi qui vous commande ici, ou c'est pas moi. Tu préfères quitter la maison? Oh, ce n'est pas un dame là. Connard. Je te trouve très sympa. Merci. Pourquoi ta soeur est comme ça avec moi? Ne vous souciez pas d'elle. C'est son comme ça. Elle est jalouse du bonheur de tout le monde dans cette maison. Même celui de sa mère. En plus, tu es rigolote. Dis-moi, tu travailles déjà? Je suis influenceuse nette. Waouh! Super et cool comme métier. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Tu parles de quoi? Tout le monde me traite de folle dans cette maison à cause de ce métier. Peut-être parce que ça ne rapporte pas encore quelque chose dans la marmite. Pour le moment, non, mais dans les jours à venir, je vivrai de ça. J'aime la façon avec laquelle tu appréhendes ton travail. Il faut croire en ses rêves et se donner le moyen de les rendre réels.
Et vous travaillez dans quoi? J'ai fait les études en art et spectacle à Paris. Les choses n'ont pas été faciles pour moi. J'ai décidé de revenir au Cameroun et depuis que je suis là, tout ce que je vois, je fais. Ok, mais disons que ça marche bien. Ce repas est délicieux, chérie. Merci, mon amour. Tu sais, tu as toujours aimé ma façon de faire la cuisine. Parce que tu le fais avec amour. Tu y mets du cœur. Arrête de parler comme ça, chérie. Tu vas me faire rougir. Bon appétit, mon amour. Merci, chérie. Bon appétit. Merci. Oh, alors, rassure-toi, ça va pas me couper l'appétit, hein. Il est très bon, ce repas. Merci. N'attendez pas peut-être à cette nouvelle. Je pense qu'il faut lui donner du temps. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que comme son père est décédé depuis, je devais rester comme ça, toute seule. Que je n'ai plus droit à l'amour. Tu sais, on accouche les enfants et non leur cœur. Oh. Et sa sœur? Comment tu l'as trouvée? J'espère qu'elle ne t'a pas saoulée, hein? Non. Au contraire, elle m'a plutôt bien tenu compagnie. Je l'aime bien. Ok. Comme tu le dis, celle-là, même moi, sa propre maman, je n'arrive plus à la supporter même pour 5 minutes avec ses histoires de TikTok et autres. Elle ne reste que sur le téléphone. Sa tête est fixée seulement sur le téléphone. Son problème, c'est le téléphone. Même la vaisselle, elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Moi, je pense qu'il faut plutôt la cadrer. Demain, qui sait, le monde entier pourra la connaître. Je vois que elle a réussi à te corrompre. Merci. Par rapport à mon salon de coiffure, bientôt je termine avec ma formation. Tout est juré. J'ai un ami qui vient de la Turquie à qui j'ai donné l'argent pour acheter tout le matériel et le lieu est déjà connu. Je t'y amène la semaine prochaine, chérie. Donc tu as fait tout ça sans toutefois m'en parler, mon amour. Je t'avais demandé de te concentrer sur ta formation et le reste, je m'en occupe. Je suis un ange, mon amour. Avant d'entrer. Quoi? Je te rappelle, hein? Quand tu seras chez toi, je respecterai tes règles. Mais tant que tu es chez moi, respecte les miennes. Lève-toi, tu pars, où vas-tu avec ta soeur? J'ai des choses à faire.
Je me sens pas bien, maman. Sunita peut le faire. Et toi, tu fais quoi? Je viens de dire que je me sens pas bien, maman. Lève-toi, tu pars où, va avec ta soeur. Je me sens pas bien. Je suis sûre que c'est à cause de l'homme-là qu'on me traite comme ça dans la maison aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Et c'est pas encore la fin du mois, à ce que je sache. Je viens en mon nom et au nom de notre cité. Oui. Il faut que ta belle-sœur et toi, vous décidez qui est exactement notre païresse. Arrête ça, hein. Tu parles de quoi, là? Et de quelle belle-sœur? Elle a dit qu'elle s'appelait Michel. Elle a dit, nous a dit qu'à partir du mois prochain, c'est elle qui occupait les loyers. Quoi? Michel a osé? Daniel, merci de l'information. Sunita! Sunita! L'envoie. Marche vite. Porte la bouteille si tu peux laisser au café. Je vous rejoins. Pas de mon vivant. Tant que je suis vivante là, Michel ne peut rien. C'est quand je serai morte que Michel va commander la maison là. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, ma mère qui la met aussi en colère? Ta mère t'aille d'apporter la bouteille au café. Adieu. Il a fini de parler, c'est une pour partir. On dirait la photocopie de l'homme. Je vais tout voir ici. Je suis la Bayresse. Ah, d'accord. Et que puis-je faire pour vous? Franco n'est pas là. C'est pour vous que je suis ici, hein? Moi? C'est pour vous que je suis là. Je suis venu prendre mon argent du loyer. Hein? Il y a deux jours, il est passé chez moi. Me disant que tu allais passer me gérer. J'ai attendu en vain, je n'ai vu personne. C'est pourquoi je suis là. Ah non, 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 madame. Je pense que vous vous êtes trompée de studio. C'est pas ici. Je sais très bien où je suis. D'accord? Je sais très bien où je suis. Est-ce que tu as compris là? Je sais très bien, c'est même pas toi, sa soeur qui vient en Belgique. Depuis que ton soi-disant frère habite dans la maison, il n'a payé que 2 mois. Et il a déjà fait 3 mois sans payer mon loyer. Me disant que quand tu vas rentrer, oh, tu vas payer ceci, tu vas faire ceci, tu vas gérer toutes mes factures. Depuis que tu es arrivé là, je t'ai dit. Voilà pourquoi je suis là. C'est pas possible. Donc je me suis fait encore avoir. Madame, si vous ne pouvez pas payer ma maison, vraiment, hein, libérez-la. Si vous ne pouvez pas payer, libérez-la. Il y a des gens qui souffrent là-dehors. D'accord? Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de cette maison. Je me suis fait avoir. C'est pas possible. Donc je suis encore tombée dans le piège de ce gars. Hé! Hey! Brunel. Mon loyer. Le commerce de ma grande sœur. Hey. Te voilà. Michel, qui t'a donné l'autorisation d'aller agresser mes locataires? Tu as demandé l'autorisation de qui avant de mettre la maison de notre frère en location? Ah bon? Parce que tu penses que tu as un mot à dire à ce qui concerne nos biens? En tout cas, Michel, je suis venu te donner le dernier avertissement. La prochaine fois, mes mots ne se feront pas. Au lieu que tu te trouves un mari, tu goûtes au mariage avant de rester chez toi. Tu passes le temps, tu passes tes choses à tout le monde pour regarder ce que ton frère et moi, qui suis sa femme, nous avons fait. Michel, traverse encore le seuil de la porte là. Je vais t'écraser comme le cul-pomme que je mets dans la sauce.
Je t'aurais prévenu. C'est Akamba qui avait raison depuis le départ. Et moi, j'étais là aveuglée par la compassion. Elle t'a vu venir depuis. Ma belle. Bonjour. Elle ferme tout ça, maman. On était à une veille là hier, maman. Et on est rentré comme nous sommes partis. Alors fais-moi seulement rapidement quelque chose là. Ne me dis pas. Même pas le petit café comme ça pour nous donner. Aïe. Là où je suis là, non. J'ai faim jusqu'à pardon. Fais seulement rapidement quelque chose pour moi. Saute-moi. Tu as quoi, les pattes, non? Il saute ça rapidement, s'il te plaît, ferme là jusqu'à. Le problème maintenant, c'est les allumettes. Depuis que Déborah est partie chercher les allumettes, jusqu'à présent, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas comment les enfants là sont. Je ne sais pas. J'ai déjà perdu au moins 13 clients ici là. Maman, laisse seulement les enfants de maintenant, non. C'est comme ça partout. Ah, les enfants de quoi? Les enfants de quoi? Tu veux mettre quoi sur l'enfant? Hein? Quand j'ai toujours dit dans la famille que la femme, si elle est bête, vous allez tout supporter. Donc, voilà. Akamba, je ne suis pas ton égal de un. J'ai les enfants qui te dépassent. Je suis arrivée dans votre famille, tu étais encore comme ça. Aujourd'hui, tu me parles fort. Tu ne peux pas m'expliquer qu'une femme comme ça, là, pour porter tout ça, là, elle oublie les allumettes. Hein? La boîte d'allumettes, c'est quoi par rapport à la bouteille de gaz? Il t'est jamais arrivé d'oublier quelque chose dans ta vie. Je dis, ne m'insulte pas. Ici, c'est mon bureau. Tu as compris? Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je les avoue à l'école. C'est grâce à ça que je les nourris. Tu as compris? Pardon. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Tout ça, c'est pour mon frère. Je dois jouir de ça, madame. Je te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, tu n'allais pas avoir tout ça. Pardon? Tu viens aujourd'hui, tu te tapes les ailes. J'étais dans la misère. Quoi? C'est quoi? Akamba, ne me manque pas de respect comme ça. Tu oublies vite, hein? Tu n'es pas là, tu t'es dans quoi? Non, tu as là maintenant, tu es déjà en train d'extrapoler. Je ne suis pas d'accord avec toi, Akamba. Michel, je dis, respecte la limite là. Je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui ici. Je suis venu pour quoi? Je suis en mission. Ah, je suis en mission. Il fallait me dire que tu venais en mission. Il fallait me dire. Donc tu es en mission ici avec toi? Ouais. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans, c'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je l'ai nourri. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais acheté un cahier à un enfant. Ok. Tu as compris, non? Moi-même, je vais te rappeler que du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas de problème de nourriture. Donc là où je suis là, fais ce que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Tu arrêtes, je ne te permets pas. Ne me je te permets pas vraiment. Non, franchement, toi-même. Toi-même, tu es exagéré. Je ne pas. Je l'ai même plus fait, maman. Bye. Okay. Allez chez vous. Ne pas toi mis tes seins dehors. Reviens encore ici demain voir. N'importe quoi. Ça. Faut pas m'énerver. Tu as même quelle charge? Tu as quelle charge là où tu es là? Les choses de mon frère, je vais manger. Viens manger. Malchance. Hé. Hey. Tout ça, c'est Déborah. Si Déborah m'avait donné les allumettes depuis le matin, c'est que je ne suis pas dans cette situation. J'ai perdu au moins 13 clients, au moins. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Mais un jour, je vais réussir dans ma vie. Si j'avais eu la même présence d'esprit qu'Akamba, on ne serait pas là aujourd'hui. Elle m'avait bien prévenu et moi, j'étais là toute bête, stupide. Et voilà ça aujourd'hui. Mais ça ne peut même pas se passer comme ça. Où vais-je aller avec toutes ces dettes? Même le transport pour sortir de cette maison, je n'ai plus. Hé, Franco,
Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Allô Michel, c'est Sonita. Michel, s'il te plaît, j'ai trop de problèmes, il faut qu'on en parle. Sonita, s'il te plaît, tu tombes très mal. Moi aussi j'ai des problèmes. À plus tard. Mais écoute Michel, allô? 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 Personne ne veut plus me parler maintenant. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Franco, Franco, Franco. Oui, chérie. Oui. Mais avant, j'ai besoin que tu me remettes les sous que tu m'as promis en venant. Pas de soucis, bébé, je te fais un dépôt tout à l'heure. Un dépôt. Ok, bon, bref. Il y a des lignes dans la cuisine. Tu vas aller au marché acheter du poisson pour faire avec l'indolé qui est dans le frigo. Et aussi, s'il te plaît, mets assez de piment. Je ne veux pas revenir manger les repas fades que tu m'as fait la dernière fois. Ok. D'accord, bébé. Voilà, allez. Bon, ciao. D'accord, bébé. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé le mari. Je dis, hein. Mais pourquoi nous sommes là aujourd'hui au lieu de venir nous servir? Tu es seulement concentré sur ton téléphone. C'est quoi avec toi? Madame, tu n'es pas obligé d'attendre. En plus, ce n'est pas le seul café dans le coin. Tu peux partir ailleurs. Tu dis même ça à qui? La fille est bête, tout le monde. Il faudra que les gens font les choses dans un respectable. Quand tu la regardes, tu penses qu'elle a quel objectif derrière ça en dehors des hommes? C'est la prostitution qu'elle fait. Pardon, je ne veux pas le bruit, je suis en train de travailler. Tata, les femmes assises là n'ont besoin de rien. Maria, tu es sourde ou quoi? T'es-je pas dit, je ne veux pas de bruit. Non, mais tata, tu as dit que tu travaillais, pourtant tu es seulement là avec ton téléphone. Dégage devant moi. Tu as dit que tu dois faire ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Maria, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle n'a rien fait. C'est ta fille là. Ferme ta bouche, imbécile. Que tu permets de parler dans une affaire de famille. Hé, hey, je vais casser ta gueule là. Hein. Maman Choco, ta fille est très insolente. Vous-même. Ça fait plus d'une demi-heure que nous sommes là aujourd'hui. Au lieu qu'elle nous serve, elle nous demande d'attendre qu'elle finisse d'abord de faire sa vidéo. C'est du temps. Dans mon bureau. Maman, ce n'est pas exactement ce qu'elle t'a dit. Merde. Donne-moi le téléphone là. Donne-moi ça. Il faut me casser le téléphone là. Maria, prends les commandes, prends les serres. Tu l'auras quand j'aurai décidé. Et si tu t'amuses, je vais te casser ça là. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée.
Tous les jours, mais tes amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Les menaces passent par là. Aimer la maman Choco, elle n'était pas. Tu délires ou quoi? Il n'y a pas de politesse chez toi. Tu l'as poussé à faire un choix entre toi et moi. Et maintenant, il dit qu'il ne veut plus de moi. Et tu espères que je fasse quoi? Que je croise mes mains et je vous laisse faire? Non, c'est impossible. Attends. Qu'est-ce que tu essayes de me dire par là? Que Roger et toi sortez ensemble? Oui, et je n'avais aucun problème de le partager avec toi. Sauf que ça ne semble pas être le cas chez toi. Il est allé jusqu'à me proposer de lui faire un enfant. Le temps pour moi de réfléchir à cette hypothèse, qu'il revienne me dire qu'il est désolé, qu'on doit arrêter la relation. Je trouve qu'il allait très loin et je ne vais pas laisser ça comme ça. Tu peux la fermer chez là, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Personne, je dis bien personne, ne me dit ce que je dois faire. Il fallait qu'elle sache pour se préparer. Chance que tu es arrivée. Merci maman. Merci mes enfants. Ça ne doit plus se répéter. Hein. D'accord. Ici c'est chez vous. D'accord. Bon, maman Choco, bye-bye. À la prochaine. Hein. Bonne journée mes filles. Merci. Bonjour maman Choco. Bonjour mon chéri Dema. C'est comment tu es déjà là? Bien sûr. Avec ta voix au téléphone, il fallait que je vienne. Ah. Bonjour Sunita. Tout va bien? Tout va bien, merci. Va laver les assiettes avec Maria. Assieds-toi, mon chéri. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand tu es au courant pour Roger chez moi? Yeah. Je l'ai appris hier aussi de sa bouche. Et crois-moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'essaie de me mettre dans ta chaussure quand tu la prendras. Je suis vraiment bête. Je l'ai constaté depuis. Et j'ai essayé d'en parler avec Roger. Il m'a pourtant rassuré qu'il n'y avait rien entre eux. Écoute. Écoute, si je peux te donner un conseil d'ami, n'en parle pas avec ton fiancé. Fais comme si tu n'étais au courant de rien, vu que c'est toi qui l'as choisi. Tu sais, Rosine, c'est vraiment difficile pour moi en ce moment de faire semblant. Surtout que j'ai des problèmes avec ma belle-sœur. Je ne sais pas comment je dois faire pour enlever ma belle-sœur derrière moi et mes enfants. Pourtant, je croyais que t'aider à louer une nouvelle maison te mettait à l'abri de ces problèmes. Merci beaucoup, mon chéri. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à dire que c'est moi qui ai tué mon mari. Refuse-moi la paternité de nos enfants. Quoi? Non, pas jusque-là quand même. Oui, voilà pourquoi je suis remonté contre elle. Mon mari a été longtemps malade. Personne ne passait à l'hôpital. Depuis qu'il est décédé, je ne respire pas. Hein? Il s'intéresse seulement du bien de mon mari. Dis-moi, avait-il deux frères? Oui, un oncle là au village. Il est de mèche avec eux. Est-ce que tu sais qu'une fois, il est même venu quand il dit qu'il va habiter chez moi pour que je devienne sa sixième femme? Mmh? Ce que je lui avais fait, non. Je pense bien qu'il ne passera plus jamais chez moi. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari.
Ah, Roger. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. À quoi c'est Google Maps selon toi? Bienvenue chez moi. Merci. En place. Je t'offre un verre d'eau. Laisse-moi au moins le temps de m'installer. Écoute, Michel, je ne suis pas venu ici pour des problèmes, mais pour t'amener voir ton salon. C'est toi qui as voulu que ce problème se résiste, Roger. Tout simplement parce que tu ne peux pas garder ta queue là entre tes jambes. Toujours à la recherche d'une nouvelle proie. Tu as vu comment elle te parlait là devant mes collègues? Sans aucun respect. Je m'en fous de la façon avec laquelle elle me parlait. L'essentiel c'est qu'elle sache que c'est toi que j'aime et que c'est avec toi que je veux faire ma vie. Je ne suis plus très sûr de ton amour, Roger. Pardon? Mais tu blagues! Écoute, Roger, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Le salon, là, ça va d'abord attendre. Pour le moment, si, moi, je dois retourner travailler. Justine, je ne comprends pas pourquoi le fait que ta mère ait un petit ami soit un problème pour toi. Elle est jeune et a droit à l'amour, non? Qu'est-ce qu'elle veut encore de Dieu? Elle a eu un homme dans sa vie que Dieu a appelé à lui. Elle a eu 3 enfants avec celui-ci. Je pense qu'elle devrait plutôt se concentrer sur l'avenir de ses enfants. Au lieu de s'embarquer dans une relation qui, je suis sûre, ne va rien lui apporter d'autre que la distance avec ses enfants. Je pense que là, tu fais une fixation sur l'échec. Tu ne peux conclure qu'une nouvelle relation de ta mère ne vous apportera rien. Non! Écoute. Tu es ma copine et si je peux te donner un conseil, c'est de trouver le moyen d'accepter le choix de ta mère et de la soutenir. Quitte à ce qu'elle-même se rende compte que cela ne valait pas la peine. Décidément, personne ne me comprend. Personne. Il était une fois. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Non, c'est pas toi le problème. Tous les jours, mes chers amis, c'est la veuve femme. C'est une journée qui commence mal, c'est tout. Ouais, maman, je voulais aller jouer comme ça. Famille, c'est bien comme tu es là. Ma fille, je vais te donner un peu d'argent de garder pour me remettre dans 2 semaines que je suis dans la porte de l'enfant avec toi. S'il te plaît. Maman Choco, tu sais que nous sommes là pour te satisfaire. C'est combien? C'est 50 000 francs. Et à partir de demain, je cotise 2 000 jours. Voilà, quelque chose d'intéressant.
Tu en es où avec ton rapport? Entre, Maria. Bonjour, Justine. Bonjour. Bonjour, Tata Annie, Justine. Il faut prendre un et laisser l'autre. Nina, je te présente Maria, mon amie. Nina, ma meilleure amie et camarade de fac. Fac. L'université. De l'école. Elle me plaît bien. Elle est drôle. C'est une très bonne personne. Sincère et surtout vraie. Alors, ça se passe comment au café? Pourquoi tu ne viens pas? Je n'aime pas Tata Sunita. Elle gronde trop et est toujours avec son téléphone là. You lost another one.